Photo Bella Hadid, avec sa nouvelle folie capillaire, est le portrait craché de Gigi Hadid. Bella Hadid se métamorphose pour l'hiver. Début décembre, la célèbre top a été couronnée mannequin de l'année au British Fashion Awards 2022. Une consécration pour celle qui a clôturé le show Copernic en beauté. Et pour fêter cette nouvelle comme il se doit. La sœur de Gigi Hadid a opéré un changement capillaire, et pas des moindres. Adieu la chevelure brune. Bella Hadid est officiellement blonde. Dans sa story Instagram, elle a expliqué se sentir un peu mieux et un peu plus blonde dévoilant sa nouvelle tête. Une transformation capillaire tellement audacieuse qu'on a failli ne pas la reconnaître. Auprès du magazine Vogue UK, sa coiffeuse Jenna Perry a dévoilé les coulisses. La coloriste est à l'origine de la nouvelle coloration blond beige de Bella Hadid. Nous rêvions d'une couleur plus claire depuis un moment, et le moment, c'est maintenant. Il s'agit d'une teinte nommée Baby Bella Wasp en blonde avec des tons chauds sur les longueurs et des racines sombres. Selon les dires de l'experte, son objectif, en travaillant sur la longue chevelure brune de la top modèle, était de reproduire un blond beige foncé avec des reflets plus clairs. Pari réussi. Sans surprise, la nouvelle coloration de Bella Hadid va devenir l'une des couleurs tendance de 2023. La raison? Elle se distingue des autres blonds par ses nuances chaudes qui offrent une finition légèrement délavée. De plus, les tons chauds sont le moyen idéal pour redonner un peu de vie à un teint pâle. La preuve en image sur la sœur de Gigi Hadid. À propos de la coupe de cheveux. Bella Hadid a une longue frange séparée au milieu, ainsi que des mèches dégradées encadrant son visage. Avec cette nouvelle teinte de cheveux, Bella Hadid ressemble davantage à sa sœur. Gigi Hadid. D'après les dires, elle avait des cheveux plus clairs lorsqu'elle était enfant. Mais pour sa carrière et pour ne plus être assimilée à sa sœur constamment, Bella Hadid avait décidé de devenir plus foncée. Dans le magazine Séduire en 2016, elle avait déclaré à ce propos, « J'ai juste une personnalité plus sombre. Et ma sœur étant blonde et moi étant brune, c'est une bonne séparation. » Quelques années plus tard, Bella Hadid renoue avec le blond.